avec nous. Elle est avec nous. Mais n'importe quoi, elle est avec nous. C'est un fruit. Un légume. Un fruit. Un légume. Un légume. On s'écarte, s'il vous plaît, et on laisse passer la star. Aujourd'hui, nous allons découvrir la tomate. Salut. Et comme vous pouvez le constater, la tomate est très demandée, une véritable star. La tomate avec vous. La tomate avec nous. Alors, où je vais? Avec les fruits ou avec les légumes? C'est comme tu veux, la tomate, car tu es à la fois un fruit et un légume. Non, c'est vrai. Oh, trop bien, j'ai du bol, moi. Pour pousser, ce légume-fruit a besoin de soleil. Oh! Et d'un tuteur. Oh! Et c'est quoi un tuteur? Un tuteur, c'est un long morceau de bois planté dans la terre qui permet aux tomates de pousser bien droit. Comme ça? Oui, comme ça. Waouh, c'est trop bien, on voit hyper loin d'ici, on voit même la mer. Salut maman! Bonjour ma petite chérie! La tomate est née en Amérique. En Amérique du Sud, plus précisément. Pourquoi elle s'enfuit, la petite? Elle a un presse-agrumes, mémé. Ah, elle a un rhume. Oh, bah c'est pas si grave. Mais n'importe quoi, c'est pas un presse-agrumes, c'est mon sombrero. Découvrons maintenant les collections de tomates pour la saison printemps-été. La tomate qui a des bœufs, hein, costaud. La tomate romaine, dans une version plus allongée, comme ça. La tomate andine, avec sa magnifique forme et des piments. La tomate de Russie, avec sa robe et des velours noirs. Et enfin, la plus petite et adorable, tomate cerise. Non, j'ai pas demandé la cerise, j'ai demandé la tomate cerise. Ah, merci les filles, vous étiez superbes. Voyons maintenant comment la déguster. En rondelles, dans une bonne salade de tomates. Une entrée succulente, bourrée de vitamines. On peut aussi la manger en tomate farcie. Oui, alors par contre, là, il manque ton chapeau. Ah oui. Mais c'est bon, je l'ai. Hop là. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Au secours, des vers géants. Attention, j'arrive. Et bien sûr, la fameuse sauce tomate pour mettre dans les spaghettis. La tomate, j'ai trois petites questions à te poser. Alors, as-tu bien retenu? La tomate est un fruit ou un légume? Eh bien... C'est exact. C'est un fruit et un légume. Maintenant, dans la famille tomate, donnez-moi la plus petite. C'est-à-dire... La tomate cerise, bravo! Vous avez trouvé vite. Et enfin, pour pousser en hauteur, la tomate a besoin d'un... Tuteur, super, t'es le meilleur. Hé, j'ai une blague à te raconter. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une tomate avec une cape? Non. C'est super tomate. Et attends, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un petit pois avec une cape? C'est facile, c'est super petit pois. Eh ben non, c'est un petit pois déguisé en super tomate. C'est malin ça, très drôle. Allez, à table les enfants.